sommes à Valence, sous la structure de la FFSA Academy, avec Julien Melanteau, qui est responsable technique karting, notamment sur le championnat de France junior. Alors Julien, comment fait-on pour arriver à ce poste de responsabilité ? Moi j'y suis arrivé par expérience, hein. Ça fait un petit moment que je suis à la FFSA Academy, j'y suis rentré en 2003 et puis bon, à force d'être ici, on gravit un petit peu et on m'a proposé le poste responsable du karting, du coup j'ai dit oui. Alors ça serait bien que vous nous expliquiez un peu en quoi ça consiste, parce que c'est une structure avec des cartes de compétition, mais il y a bien autre chose que ça. Ah, tout d'abord, on est à charge déjà la maintenance des kartings pour que tout se passe bien, la révision des moteurs. Et on a aussi la formation des mécaniciens. Ce sont des élèves qui, quand ils arrivent, ne connaissent pas du tout le karting. Donc on doit vraiment tout leur apprendre pendant la saison hivernale pour qu'on soit vraiment au top au niveau des courses. Alors sur une course, ça fait une responsabilité énorme parce que les jeunes, ils apprennent leur métier, c'est bien, mais il faut que toujours quelqu'un ait l'œil sur eux pour vérifier, il ne faut pas qu'il y ait d'impair. Oui, tout à fait. On est là pour eux, pour les aiguiller, pour les aider. Et bien entendu, on vérifie vraiment tout sur les cartes. On a des procédures de mise en place pour vraiment ne rien laisser passer. Parce que bah, y a vraiment un challenge. Hein. Les pilotes, il y a une pression énorme. Il y a un enjeu aussi. Et du coup, nous, on doit être parfait. Nous continuons notre visite de la FFSA Academy à Valence avec Cédric Selam. Alors Cédric, quelle est votre mission ici à la FFSA Academy pour le championnat de France junior karting ? Alors moi, ma mission, elle est simple. Moi, j'accompagne Julien, qui est un peu le manager de l'équipe de karting. Et du coup, bah, moi, j'accompagne Julien sur les meetings. Donc lui s'occupe d'une bâche. Une bâche est composée de 10 kartings. Et du coup, bah, moi, je m'occupe de l'autre bâche, qui est composée de 10 autres kartings. Voilà. Quelle formation avez-vous personnellement pour arriver à remplir excellemment bien ces fonctions ici ? Moi, c'est une formation simple, basique, hein, un cursus plutôt commun. Des études simples, un bac pro mécanique. On continue sur de la mécanique de tous les jours, véhicule de tourisme. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de venir à la FFSA Academy. Je me suis dit pourquoi pas, j'essaye. Ça m'a plu. Donc me voilà ici au bout de plus de 6 ans déjà. Et du coup, c'est comme ça que ça m'a fait permettre de connaître un peu le sport auto. Voilà, sport auto, sport méca plutôt. Alors encadrer des jeunes, c'est quelque chose d'intéressant, j'imagine, mais aussi il y a une responsabilité, on est dans un milieu de compétition. Mm-hmm. Alors comment ça se passe avec eux, avec les apprentis mécaniciens ? Ça se passe plutôt bien dans l'ensemble, mais c'est même pas dans l'ensemble, ça se passe bien tout court. C'est des jeunes avec qui ça se passe bien, il faut être attentif quand même, ouais. Parce que ça reste des jeunes. Ouais. Hein, on l'a été aussi, donc ouais. Bon, on sait par où ils passent, ouais. Et faut être attentif sur leur travail. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des cartes de compétition, ouais. Et faut être attentif tout simplement sur le bon fonctionnement, sur la régularité de leur travail et bien faire attention. C'est notre rôle, hein. On n'est pas là pour leur demander vraiment d'être professionnels, ils sont là pour apprendre et on est là pour les épauler.